Du mois de janvier 2024. Ravie de vous retrouver. Donc, j'espère que vous êtes bien. J'espère aussi que vous avez profité de la période des fêtes et que vous avez aussi passé une agréable, justement, période avec vos proches, avec vos familles, avec vos amours. Je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, pleine de joie, de bonheur, d'amour, d'abondance. J'espère que cette année sera vraiment meilleure pour vous, mes amis. Alors, dans cette série de taroscopes, comme d'habitude, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Voilà, sentimental, relationnel, familial, professionnel, etc. Comment procéder justement par rapport à ce genre de vidéo? Donc regardez toujours, mes amis, la vidéo par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe solaire et aussi votre signe lunaire. Après, comme il s'agit d'un tirage général sur YouTube, voilà, ce n'est pas justement une consultation privée. Je compte sur votre discernement. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou tout simplement vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, comme ça vous pouvez voir mes prestations et mes disponibilités. Je profite, voilà, pour souhaiter les bienvenus à mes nouveaux abonnés. Je aussi remercie toutes les personnes qui ont été avec moi justement depuis le début de ma journée sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Donc on se rapproche petit à petit d'un jalon qui est très 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 important pour moi. J'attends ça déjà depuis très longtemps. Voilà, les 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément, mes amis, et voilà, on va le fêter convenablement. Voilà, quand ça sera le temps. Je vous représente rapidement maintenant les jeux que je vais utiliser cette fois-ci pour les taroscopes. Voilà, on va faire ça très 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 simplement. On va travailler avec le tarot de Marseille pour les énergies d'ambiance, les énergies dominantes. Pour le tirage en soi, donc on va travailler avec le tarot de Rider-Waite. Donc j'ai choisi justement cette version de tarot que j'aime beaucoup. Et pour l'aspect sentimental, évidemment, on va travailler avec un autre Rider-Waite. Celui-là, c'est le After Tarot, je pense. C'est ça, en fait. Oui, voilà. Voilà, voilà pour vous, mes amis. Donc, je vous souhaite encore une fois de passer un agréable mois. Et je vous dis, ou je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou mes chers amis les balances, ascendant balance et lune en balance, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le mois de janvier 2024. Alors, on démarre avec cette carte qui va représenter un peu l'énergie dominante de ce mois-là. Et puis après, comme d'habitude, on va rentrer un peu dans les détails pour voir domaine par domaine comment va être ce mois-là. Alors déjà, l'énergie dominante, c'est l'étoile. Et c'est une très, 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 très belle carte qui va nous parler déjà de réussite garantie par rapport à quelque chose, des démarches, des initiatives. Ça peut être aussi par rapport à des procès. On peut parler justement d'une victoire ou d'un gain de cause. Cette carte-ci, elle va nous parler évidemment également de la guérison. Hein, on peut se guérir de quelque chose. Ça peut être par rapport à une problématique de santé, comme par exemple une blessure dans le cœur, voilà, des peurs, une blessure émotionnelle, hein, une situation un peu difficile, par exemple, que vous venez de traverser. Donc cette carte ici, elle peut nous parler justement d'un retour vers la sérénité, vers le calme, vers la positivité. C'est une carte vraiment qui parle de beaucoup d'optimisme, évidemment, hein, c'est la carte de l'optimisme, c'est le symbole aussi de l'optimisme. Donc j'ai l'impression que on va revenir quelque part, on va plutôt retrouver des énergies positives. Alors ça peut être aussi on retrouve un état d'esprit positif, positif après une période un peu compliquée, d'accord, ça peut être ça aussi. Sinon pour moi on peut parler de tout ce qui est médecine parallèle, voilà, ça peut être des soins énergétiques aussi pour certains, peut-être que vous êtes intéressé par ces deux domaines dans votre voie professionnelle par exemple. Ça peut me montrer aussi
justement avec cette carte tout ce qui est naturel, tout ce qui est nature, agriculture, travail avec la terre. Peut-être que vous êtes aussi intéressé par ce genre de soit activité ou hobby dans certains cas, mais ça peut être aussi évidemment une vie professionnelle. Mais d'une manière générale, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir retrouver la sérénité et vous allez pouvoir peut-être accomplir certaines choses et certainement peut-être vaincre un défi ou surmonter un défi. Maintenant, en ce qui concerne votre évolution personnelle, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a, on dirait en fait, vous allez pouvoir changer quelque chose dans votre vie d'une manière ici où on puisse parler d'une nouvelle version de vous-même. Un nouvel état d'esprit, une nouvelle perspective dans la vie, un nouveau regard par rapport à la vie. Peut-être également, vous avez travaillé sur vous, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi hein, dans votre cœur, par exemple, dans votre vie personnelle. Parce qu'évidemment, cette carte, elle annonce aussi la notion de la nouveauté, un nouveau départ, de nouvelles initiatives, par exemple. Hein. On peut parler aussi de nouvelles passions dans la vie, d'une manière générale. Mais on voit bien ici, comme si on dirait déjà votre état d'esprit est en train de changer. Hein, peut-être que voilà, vous avez décidé justement que sur l'année 2024, vous allez faire un peu les choses d'une manière différente. Voilà, vous allez changer votre routine, vous allez changer un petit peu votre vie, peut-être que vous avez besoin de changer un peu votre travail, par exemple, hein, pour certains amis Balance. Voilà, on verra bien après ce que ça va donner pour les autres domaines de vie, mais déjà on voit bien que vous regardez la situation, vous regardez votre vie, vous regardez ce qui se passe peut-être les domaines dans votre vie d'une manière différente. En ce qui concerne aussi ce que vous allez pouvoir accomplir justement ce mois-là, j'ai l'impression, mes amis, les balances, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense que vous allez vaincre quelque chose. Alors ici, voilà, je pense qu'aussi vous allez quelque part mettre une fin à une situation dans laquelle vous étiez une victime de quelque chose, une victime de quelqu'un ou une victime par exemple d'une situation. Donc ici, on dirait que voilà, vous prenez les choses en main, on dirait aussi peut-être déjà l'univers, il vous soutient évidemment, vous allez recevoir l'aide nécessaire, mais je pense que l'énergie, elle change, on dirait, en votre faveur. Peut-être qu'avant, justement, vous étiez vraiment une victime, hein, vous étiez vraiment dans une situation, voilà, peut-être des fois pas possible, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change en votre faveur, on dirait un retournement de situation. Voilà, et si, quelque part, peu importe la situation, peu importe les difficultés, j'ai l'impression que vous allez pouvoir surmonter quelque chose. Voilà, c'est peut-être ça aussi le mot approprié, vous allez pouvoir surmonter et survivre une situation peut-être qui a été difficile, possiblement ici, au niveau de l'état d'esprit. Peut-être, voilà, une situation de stress, dans certains cas, ça a été une dépression, peut-être que ça a été vraiment une situation difficile dans le travail, comme un licenciement, comme un manque de justice. On peut parler aussi, par exemple, d'un procès, carrément de litige dans certains cas. Mais là, franchement, ne vous inquiétez pas, parce qu'apparemment, sur ce mois-là, vous allez pouvoir, si vous voulez, retourner un peu la situation en votre faveur. En ce qui concerne le sentimental, qu'on va approfondir aussi après sur une deuxième partie de la vidéo, on a le 9 de bâton qui montre bien une situation, on dirait, qui vous fatigue un peu, mes amis, les balances. Peut-être la communication n'est pas au top en ce moment avec votre partenaire. Peut-être aussi vous êtes un peu célibataire, par exemple, depuis un certain temps. Vous faites des initiatives, vous sortez, vous essayez de rencontrer quelqu'un et possiblement, on dirait que vous êtes un petit peu fatigué voilà, de ces démarches parce qu'il me semble que vous commencez un petit peu à vous désespérer. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette carte, malgré tout, on a envie de continuer. Malgré tout, on a envie de prendre son courage à deux mains et voilà, quand même persévérer, parce que c'est une carte qui parle de persévérance, c'est une carte qui nous dit, bon, moi je fais pas 100% peut-être confiance à la situation, mais quand même, je pèse pas les bras et je continue, d'accord? Et je pense que c'est ça aussi votre état d'esprit, parce que comme je disais tout à l'heure, on parle de positivité, on parle d'un état d'esprit qui devient beaucoup plus positif, on parle aussi d'un, quelque part, un peu l'idée de revoir ou voir un peu votre vie d'une manière différente. Donc ça peut être justement par rapport à ça, parce que les choses n'ont pas été faciles pour vous. Hein, et peut-être, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous êtes fort et vous êtes déterminé, vous n'avez pas envie justement de baisser les bras, quand même vous continuez, voilà votre chemin et vous faites les efforts nécessaires. Ça peut être ici l'idée aussi également qu'on est dans une relation qui passe par un passage un peu compliqué. Avec cette carte, ça peut être vraiment, on s'approche d'une séparation, peut-être, voilà, on vit carrément une séparation d'une manière un peu difficile en ce moment. Ça peut être par exemple un mariage, voilà, qui bat à l'aile, hein, dans certains cas, une relation triangulaire ici qui n'est pas peut-être
fluide en ce moment, ou qui devient de plus en plus compliqué. Encore une fois, avec le 9, on est dans une énergie d'accomplissement et on s'approche de la fin. Donc pour moi, il me semble ici que vous êtes vraiment proche de la fin d'un cycle, proche de la fin de quelque chose dans votre vie. D'accord ? C'est que peut-être d'ailleurs, vous êtes sur le point, mes amis, les balances, vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Alors c'est peut-être vous, justement, aujourd'hui, vous avez tellement envie de vous libérer de ce fardeau, vous avez tellement envie de vous libérer de ces difficultés que peut-être vous allez prendre une décision justement qui pourrait éventuellement voilà, vous garantir tout cela. D'accord ? Donc peut-être, là je m'adresse surtout à mes amis les balances qui sont aujourd'hui dans des relations voilà, très 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 difficiles, des relations peut-être un peu toxiques, des relations compliquées, des relations qui n'ont jamais été stables. Peut-être finalement, voilà, vous allez prendre prochainement la décision pour quelque part, vous libérez un petit peu de cette relation et vous accordez la possibilité, la chance, le temps, l'énergie pour voir ailleurs. C'est possible. On va regarder après, comme je viens de vous le dire, sur un deuxième plan de la vidéo, pour voir un peu voilà, ce qu'on pourrait vous dire aussi encore avec cette carte, parce qu'on va approfondir et certainement chercher s'il y a d'autres messages à vous transmettre, mes chers amis, les balances. En ce qui concerne un petit peu le travail, j'aime beaucoup cette carte. Si vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous savez bien que la carte de l'impératrice, une parmi les cartes que j'adore personnellement dans le tarot de Rider-Waite. Cette carte ici, elle parle bien déjà d'abondance, elle parle de projet, de concrétisation, elle parle de possibilités multiples d'ailleurs, hein, parce que c'est une carte qui symbolise la fertilité, n'oubliez pas. Donc, pour certains amis, balance, très 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 probable que vous êtes sur la bonne voie de votre carrière. Peut-être que justement vous allez commencer un nouveau travail qui va vous accorder un petit peu voilà, un accomplissement dans votre vie. Peut-être un travail qui paye bien parce que voilà, c'est une carte quand même d'abondance. On peut parler aussi pour mes amis les balances qui sont entrepreneurs. On peut parler vraiment d'une période très 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 positive pour les affaires. Peut-être vraiment un mois dans lequel vous allez faire un chiffre d'affaires très important. Hein. Vous allez gagner quand même un peu, voilà, vous allez avoir des revenus vraiment très 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 importants ce mois-là. Peut-être par rapport à comment ça a été voilà, l'année dernière, par exemple, au mois de janvier, d'accord ? Parce qu'ici, encore une fois, c'est qu'il y a l'expansion, l'énergie de l'expansion et une énergie d'abondance. De toute façon, si vous êtes balance et que vous cherchez à changer de travail, vous cherchez peut-être, par exemple, hein, vous êtes au chômage actuellement, vous avez envie de changer, ou peut-être, pourquoi pas, aussi considérer complètement une nouvelle carrière, mais vous êtes indécis, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, moi, je vous dis, lancez-vous, laissez-vous guider par l'univers, parce que vraiment, ce mois-là, vous allez avoir les énergies positive en votre faveur, à votre côté, pour pouvoir réaliser ce que vous avez peut-être toujours rêvé de réaliser dans votre vie professionnelle. Par exemple, le poste de vos rêves, l'entreprise de vos rêves, la carrière de vos rêves, la formation dont vous avez toujours rêvé d'avoir, par exemple, d'accord ? Mais surtout pour moi, vraiment, c'est une énergie très 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 propice hein, par rapport à vos entreprises et par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser dans votre vie, voie professionnelle. Pour certains amis balance, on peut parler de grossesse. Hein. Si vous êtes femme balance, par exemple, vous êtes à l'âge et vous regardez la vidéo et peut-être justement vous cherchez aussi à tomber enceinte. Hein. Ça peut être évidemment un mois dans lequel vous allez confirmer votre grossesse et peut-être aussi annoncer votre grossesse à votre employeur, voilà, si jamais vous travaillez. Parce qu'aussi, dans certains cas, ça peut me parler aussi de congé de maternité, effectivement. Donc, on se retire un petit peu du travail pour s'occuper, par exemple, d'un nouveau-né. En ce qui concerne l'aspect financier, avec le page d'épée, donc déjà oui, on parle de démarches administratives, hein, voilà peut-être des contrats, des investissements, des papiers, des préparations un peu à faire. Mais surtout, cette carte-ci me dit bien que certains amis balancent. Vous cherchez, on dirait, de gagner un peu votre vie d'une manière différente. Peut-être aussi, vous cherchez un peu à retrouver une nouvelle façon de gagner votre vie. Hein, peut-être que vous avez un peu une idée en tête, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Peut-être vous avez, je ne sais pas moi, envie de monter votre entreprise, ou vous avez envie, je ne sais pas moi, de créer une boutique Etsy, par exemple. Hein, ça peut être n'importe quelle idée.
On dirait ici que vous cherchez un petit peu les informations. Peut-être on peut parler aussi de formation, évidemment. Hein, voilà. Peut-être vous vous formez à travers des vidéos, à travers des livres, à travers... voilà. Il y a aujourd'hui plusieurs façons à disposition vraiment de tout le monde. Hein, peut-être aussi même gratuite hein, pour certains, évidemment, si vous avez envie de former de vous dans quelque chose. Aujourd'hui, l'information, elle est très, très, très disponible et à la disponibilité de tout le monde. Donc, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, comme je viens de vous le dire, cette carte, pour moi, elle me montre bien la recherche de l'information. On cherche quelque chose, peut-être, voilà, on a une idée, on a une intuition, on a un désir quelque part. Et donc ici, on cherche un petit peu à mettre tout ça en place. Voilà, et là, pour moi, ça, on dirait, on parle bien d'une nouvelle possibilité de gagner de l'argent. Peut-être que vous avez envie justement d'augmenter un peu vos revenus, d'accord? Voilà, ça peut être vraiment cette énergie-là. Mais aussi, j'ai envie de vous dire, mes chers amis, les balances, attention à votre entourage, hein, surtout du côté de travail, du côté de l'argent, parce qu'on peut, par exemple, vous espionner, on peut venir un peu voir dans votre vie parce qu'on a envie de savoir voilà, combien vous gagnez, etc. Peut-être surtout ici, si vous avez une situation qui n'est pas encore claire par rapport à un ex, hein, voilà, soi-disant, ça peut être par rapport à le partage des biens, ça peut être pour les pensions alimentaires, les gardes d'enfants, etc. Donc on a une situation de finances entre vous et quelqu'un, mais là j'ai l'impression, on dirait qu'on vous surveille, on dirait on surveille un petit peu vos revenus, voilà, donc faites attention, hein, essayez de garder les choses d'une manière voilà, hein, secrète, d'une façon à ce que vous pouvez vous protéger. En ce qui concerne votre entourage, donc ici on peut parler d'amitié, on peut parler de collègues, on peut parler de voisinage, on peut parler aussi de certains membres de la famille. Je vois beaucoup de soutien en fait. Alors aussi ça peut être un mois justement dans lequel vous allez vous rapprocher de certains membres de la famille ou de certains amis particulièrement. Dans certains cas ça peut parler d'associations, d'entreprises familiales. Parce qu'avec cette carte aussi des fois on peut parler de patrimoine et évidemment d'une grande somme d'argent. Donc peut-être vous avez voilà, un projet avec quelqu'un de votre entourage, hein, ça peut être vraiment le mois dans lequel vous allez voir aussi une réussite remarquable au niveau des finances. Mais sinon, d'une manière générale, ça montre bien quand même un bon entourage autour de vous. Je pense que c'est un mois dans lequel vous allez avoir beaucoup de soutien, beaucoup de support, voire même, pourquoi pas, une aide financière, dans certains cas, de la part de votre entourage. Peut-être aussi certains amis balance, vous venez de vous déménager ou vous allez déménager parce que cette carte aussi des fois parle bien de foyer. Alors vous pouvez par exemple voilà, faire une petite fête chez vous pour célébrer, pour fêter ou accueillir quelqu'un aussi, accueillir de la famille. On peut parler de la visite aussi de la famille, hein, on peut parler vraiment de ce genre de choses. Maintenant, pour cette carte, elle va nous parler un petit peu de l'aide, de ce qui peut vous aider ce mois-là, voilà, à avancer, à réussir dans votre vie. J'ai l'impression qu'on peut parler ici avec de plusieurs choses, mes chers amis les balances, parce que sur un premier coup, cette carte, elle va nous dire que vous allez devoir vous libérer de certaines choses. Vous allez devoir vous libérer de certaines façons de faire, surtout ici au niveau de l'état d'esprit. Hein, peut-être que vous avez certains schémas, certaines pensées qui doivent rester un petit peu dans votre passé. On dirait qu'avec ce nouveau cycle, avec cette nouvelle vie, hein, voilà, cette nouvelle année, il faut changer les choses. Il faut aussi laisser certainement des choses derrière vous. Peut-être vos peurs, mes chers amis, les balances. Peut-être aussi, c'est le moment voilà, de l'année, hein, possiblement. Peut-être c'est le moment pour vous le plus approprié pour quelque part faire face à certaines peurs et surtout, peut-être aussi confronter un petit peu vos, voilà, hein, votre voie de sabotage, vos pensées limitantes, vos pensées aussi... négative par exemple, d'accord, voilà, ça peut être vraiment ce genre de situation. Surtout ici je vois bien que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Je reviens d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure parce que je pense que ça se complète parfaitement, parce que je vois bien ici que ça c'est quelque chose que vous faites et d'ailleurs c'est ce qui va vous garantir ce nouveau regard dans la vie, hein, dans ce qu'on, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure au début de votre tirage, hein, cette nouvelle perspective dans la vie, ce nouveau regard, ce nouveau état d'esprit. Voilà. Allez, on continue. On va parler maintenant de cette carte qui va représenter le conseil du mois et aussi un peu ce qui peut être le défi. Alors pour moi, je pense que la communication, le partage, mes chers amis, les balances. Parce qu'effectivement, vous pouvez être en couple, vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez aussi vous rapprocher de quelqu'un en particulier sur ce mois-là. Hein. Peut-être que quelqu'un aussi s'approche de vous. Hein. On a envie de s'ouvrir à vous, on a envie de se déclarer. Voilà, ça peut être évidemment ça. Parce que n'oubliez pas, la carte du 2 de coupe, c'est une carte d'amour, hein, et d'amour aussi, et ça
sincère, un amour partagé. Par contre, comme elle est dans une position de défi, ça peut me montrer que peut-être dans certains cas, certaines amies balance, on hésite encore par rapport à l'idée de parler sincèrement, parler ouvertement, ou parler peut-être, voilà, franchement de nos sentiments. Peut-être que vous avez justement des sentiments pour quelqu'un, mais on dirait que vous avez peur, ou vous hésitez, ou peut-être vous attendiez le bon moment pour le faire. Peut-être si vous, voilà, hein, vous réfléchissez beaucoup, vous hésitez beaucoup. Ça peut être ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose, justement, il y a quelque chose de très beau d'ailleurs avec cette carte, mais j'ai l'impression peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour, voilà, pour faire le premier pas, ou pour en parler correctement. Surtout ici, contenant une carte de communication en blocage, je pense que vous allez vraiment travailler un petit peu sur la communication sur ce mois-là, surtout la communication autour des émotions. Comment je communique mes émotions, comment peut-être je pourrais dire ce que je dois dire, ce que j'ai dans le cœur à cette personne, peut-être sans la blesser et sans être, par exemple, mal comprise. D'accord ? Allez, on va laisser cette carte ici, la carte de l'amour, de côté, et on va chercher d'autres informations. On va demander justement d'autres clarifications, et si jamais aussi j'ai d'autres messages à vous transmettre, mes chers amis les balances. Alors, on a le 7 de bâton qui me montre bien, c'est marrant, je fais sortir que des cartes de bâton pour vous. Le 7 de bâton me montre bien qu'on est dans une position de conflit et qu'on se sent le besoin aussi de se défendre. Ça peut être ça aussi, qu'on est dans une relation un peu énergivore, dans une relation aussi dans laquelle on est dans une position, on dirait, c'est toujours la même chose, on dirait aussi, voilà, on a toujours besoin de s'exprimer, de se défendre, voilà, de s'excuser peut-être. C'est comme si en fait tout le temps, on dirait une bataille. Hein, voilà, allez, on continue. Oui, voilà, on a des regrets, j'ai encore un 5. On a des regrets ici, on a des choses par exemple qu'on regrette. Alors peut-être aussi qu'on vous reproche certaines choses, hein. C'est peut-être ça aussi que vous sentez dans une position de défense. Hein. Peut-être parce que justement on vous reproche certaines choses. Hein. Alors voilà, il faut aussi un petit peu vous protéger mes chers amis les balances, effectivement. C'est pas parce qu'on vous dit ça ou on vous reproche certaines choses que c'est vrai. Voilà, j'aime beaucoup sortir cette carte en fait pour vous parce que ça c'est déjà une carte qui peut vous représenter évidemment le roi d'épée. Mais c'est une carte de discernement, c'est une carte aussi d'un grand intellect. Donc pour moi, je pars du principe que finalement, vous n'allez pas tomber dans les pièges. Et si jamais aujourd'hui, on vous reproche des choses ou on vous dit des choses peut-être pour vous faire du mal, pour vous blesser, peut-être il y a un ex aussi qui revient dans l'image, on dirait pour vous pourrir la vie, j'ai pas l'impression que vous allez tomber dans ce piège-là. Alors oui, ça peut être intense, voilà, vous allez devoir peut-être gérer la situation, vous allez devoir peut-être aussi faire face à certaines émotions, mais je pense que vous allez pouvoir trancher, voilà, dans le vif et surtout selon ce que vous jugez bien pour vous. Ça c'est clair, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire il y a des masques qui vont tomber. Il y a vraiment des masques qui vont tomber, mes chers amis les balances, hein, ce mois-là. Et je pense que c'est ce qui... Alors, ça va être intense, effectivement, il y a quelque chose aussi qui risque justement de se casser la figure. Mais je pense que cette fois-ci, ces énergies-là vont vous libérer justement de ce qui est, de ce qui se passe mal en ce moment dans votre vie. Parce que rester aussi dans cette relation, rester dans cette dynamique, dans le sacrifice, on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait, on est déjà fatigué, on est épuisé, ça sert à absolument rien. Donc on peut parler d'une séparation, d'une libération de quelque chose, hein, et on voit bien que voilà, vous êtes dans une phase de transition, vous êtes dans une phase d'évolution, vous allez passer de cet côté-là à voilà, une autre énergie, hein, un autre cycle dans votre vie dans lequel vous allez retrouver votre sérénité, votre calme et fort probablement vous guérir d'une blessure. Voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les balances, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle nouvelle année et à la prochaine. Au revoir.